Bonjour, cette séquence vous est présentée par Ophélie. Aujourd'hui, nous sommes le 25 juin. Bonne fête prospère et un joyeux anniversaire à toutes celles et ceux qui sont nés ce jour-là. Lecture du livre de la Genèse. Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche en ma présence et sois parfait. » Dieu dit à Abraham, « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Et voici l'alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire toi et ta descendance après toi. Tous vos enfants mâles seront circoncis. » Dieu dit encore à Abraham, « Saraï, ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Saraï. Désormais, son nom est Sarah, c'est-à-dire princesse. Je la bénirai. D'elle aussi, je te donnerai un fils. Oui, je la bénirai. Elle sera à l'origine de nations. D'elle proviendront les rois de plusieurs peuples. » Abraham tomba face contre terre. Il se mit à rire, car il se disait, « Un homme de 100 ans va-t-il avoir un fils ? Et Sarah va-t-elle enfanter à 90 ans ?» Et il dit à Dieu, « Accorde-moi seulement qu'Ismaël vive sous ton regard. » Mais Dieu reprit, « Oui, vraiment, ta femme Sarah va t'enfanter un fils. Tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance éternelle avec sa descendance après lui. Au sujet d'Ismaël, je t'ai bien entendu, je le bénis, je le ferai fructifier et se multiplier à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Quant à mon alliance, c'est avec Isaac que je l'établirai, avec l'enfant que Sarah va te donner, l'an prochain, à pareille époque. » Lorsque Dieu eut fini de parler avec Abraham, il se leva loin de lui. Parole du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies, tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de cette séquence. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer une très belle journée ainsi qu'une bonne fin de semaine. Et je vous dis à très bientôt. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison, nous implorons la guérison. Sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba,
chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison.